avaient les riz, qu'ils avaient les commandements, ils avaient même plus grand. Donc, attends, vraiment, je ne sais pas, on n'a pas encore commencé la vidéo, hein, mais bon, ok, on va aller. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Voilà, c'est Bob Lee, la menace, Bob Lee, la terreur, voilà. Connectez-vous parce que on va décrypter cette vidéo de ma vigile. Justement.
Bon, voilà. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Tu sais, Chimène, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre ta personne. Tu es une soeur, nous sommes de la même génération. Je ne sais pas qui de nous deux est plus grand. Tu viens de Yopougon, je viens de Yopougon. Malheureusement, tu n'as pas fait le quartier chic comme Trècheville. Et moi, j'ai fait le quartier chic comme Trècheville. C'est là-bas que j'ai fait mon adolescence. Ça fait un peu la différence entre toi et moi. Mais même quand j'étais à Yopougon, on n'avait pas la même façon de vivre, voilà. À moi, je fréquentais les gens bien. Hein. Par exemple, Coco aux deux poteaux, voilà. Je fréquentais les gens bien, les gens qui ont vécu, voilà. Moi, j'étais tout le temps au bloc célibataire avec les Lydie et autres, là. Voilà, au bloc célibataire. Moi aussi, j'ai animé aussi, comment dire, 5e dimension en face de Sagidiba. Donc, tu vois, moi, je connaissais la vie, hein, voilà. Voilà, j'étais co-animateur là-bas, voilà. C'était mon vieux père, Jojo Fraîche, qui animait là-bas. En ce moment, on était au Terminus 40. Voilà. Donc, tu vois un peu, donc, nous, Yopougon, on a vécu à Yopougon. Voilà. J'ai fréquenté les dinosaures comme les Mamadou Doumbia. Voilà. Mamadou Doumbia, le grand chanteur, le vieux, père à son âme. Voilà, au Terminus 40. Voilà. Donc, nous, on a vécu, au fait. Toi, c'est maintenant que tu commences à sortir la tête de l'eau. Et donc, ça te dérange. En fait, tu en fais un peu trop. C'est-à-dire que tu ressembles réellement, quand on te voit, tu ressembles aux filles, pas qui partaient au City. Le City des grands frères. Parce que moi, je n'ai pas connu le City, mais j'ai connu le City quand des gens ont chanté ça. Et moi, je n'ai pas connu vraiment le City. Mais j'ai vu le City. Attends, il y a une différence entre connaître le City et voir le City. J'ai vu le City en face de... Comment ça s'appelait là-même? Ce supermarché là. Voilà. J'ai vu le City. Voilà. À la Sikoji là. Mais je n'ai pas fréquenté le City. Mais quand je te regarde, tu ressembles aux jeunes filles, aux enfants, parce que tu étais petite. Ça, c'est clair. Au moment où le City faisait chose là, tu étais petite. Tu n'étais pas grande pour dire que tu vas aller là-bas pour faire quoi que ce soit. Mais tu ressembles aux petites filles qui partaient là-bas, qui se faisaient doigter par les vieux pères. Ça, c'est ce que je constate. À telle enseigne que tu as pris les habitudes des femmes de City là. Malgré que tu étais petite, tu les regardais tellement que tu as pris leurs habitudes. Et ça, c'est dégueulasse. Et je n'ai rien contre toi. Je veux toujours parce que tu es une soeur. Et à Yopougon, nous sommes une famille, comme un peu à Trècheville. Et puis, je crois que c'est un peu partout comme ça. Quand tu as fait un quartier, dans chaque quartier, les gens deviennent famille. Tu comprends? Parce que quand je te vois tel que tu fais les choses, comment dire, tes maquillages là, on dirait le goût du City là, parce qu'elle, quand elle met, on dirait crayon dans les cheveux, c'est-à-dire qu'elle met maquillage là jusqu'à ce que ça arrive dans les cheveux. Les cocos sont pas sérieux. Les cocos, c'est les cocos. Arrivé au City, c'est les cocos. Et donc, c'est vous les petites filles qui étaient sur les tables au City là. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je voulais chanter la chanson, mais les paroles là ne viennent pas. Donc, je l'ai laissé pour ne pas me faire honte ici. Là, ça fait tellement longtemps. Le maquillage, c'est de l'esthétique. C'est un signe de propriété. Maquillage là. Que ce soit faire ses ongles. Que ce soit faire ses ongles. Que ce soit faire ses cheveux. C'est de l'esthétique. Comment appelle-t-on les femmes qui font les ongles? Des esthéticiennes. Comment appelle-t-on les femmes qui tressent là? Des esthéticiennes, tu vois. Qu'est-ce que c'est que esthétique? Juste embellir, rendre beau. C'est ça l'esthétique. Quand tu dis, oh mais cette œuvre esthétique, c'est-à-dire qu'elle est belle. C'est rendre beau. Donc ces tresseuses-là prennent ta tête et rendent ta tête jolie. Ces filles-là, c'est comment on les appelle là?
Les filles qui font pédicure, manicure, là, ces esthéticiennes qui font pédicure, manicure, là, c'est les filles qui rendent tes ongles jolies. Dans ton cas, tu ne trouves pas d'inconvénient que les gens voient toujours la même couleur. Eh bien, laisse-moi te dire, l'esthétique a besoin souvent d'être accompagnée. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le mariage. Si tu as porté des ongles qui sont verts, si tu as fait tes ongles à vert, ça veut dire que il faut trouver quelque chose sur toi qui soit vert, qui marche avec ça. Donc, tu ne peux pas porter habit vert aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne peux pas porter chaussures vertes. À cause de chaussures vertes, tu as mis ongles verts et puis tu as fait ça sur un an. C'est pas possible. Donc, toi, tu as porté toujours chaussures vertes. Chaussures vertes, pardon. Tu as porté toujours chaussures vertes avec ongles verts. Ou bien tu as porté toujours chaussures vertes, ongles vertes avec montre verte. Non, c'est de l'esthétique. Donc voilà ce que les femmes là font. Elles ont beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Ma vigile, elles ont vert, elles ont rouge, elles ont violet, elles ont marron, elles ont bleu, elles ont toutes les couleurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Elles mettent les couleurs en fonction de comment elles veulent s'habiller au jour. Et généralement, elles font leurs ongles juste avant de sortir, pas la veille. Les femmes ne font pas leurs ongles la veille. Les femmes font leurs ongles juste avant de sortir. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai une soirée, un gars m'a invité, ou bien je dois aller rendre visite à quelqu'un. Celle-là, là, elle a fini de se laver là. Peut-être qu'elle a attaché son truc là, là, là. Et puis elle vient, elle met les trucs, elle met une serviette, et puis elle met ses ongles, et puis elle commence à faire ses ongles. Ça prend maximum 5 minutes pour sécher. Dès que ça finit de sécher, à nous aller, elle est partie. Elle s'est habillée, elle est partie. Ça ne prend pas du temps. C'est pourquoi ils ont fait de sorte que ça sèche juste en 5 minutes. Ils n'ont pas fait de sorte que ça sèche en une heure, ni en deux jours. 5 minutes, parce que tu dois le faire maintenant et maintenant tu es parti. Est-ce que tu comprends? Et toi, tu trouves que pourquoi les gens se plaignent? En plus de cela, pour faire propre, tu ne peux pas porter la même couleur toujours. Il faut changer de couleur. Mais toi, tu ne trouves pas d'inconvénient et tu dis que non, ça ne les dérange pas que c'est toi. Bon, on va écouter ta vidéo. On va écouter maintenant. Et puis maintenant, je vais décrypter ta vidéo. Je vais maintenant passer à la au décryptage de ta vidéo. Non, 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 ce ne sont pas tes doigts. C'est vrai, ce sont tes doigts. Mais c'est l'image des femmes que tu présentes. Et tu dois toujours présenter l'image d'une femme propre. Riyad, je vais te dire une chose. Ce qui est en bas de toi, là, c'est pour toi. Tu en fais ce que tu veux, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas te permettre de venir exhiber ça sur les réseaux sociaux. Voilà de quoi on se plaint. Ton corps, c'est ton corps. Tu ne lutte pas ça avec quelqu'un. Tes doigts sont tes doigts. Ton grain, c'est ton grain. Mais ça concerne tout le monde. Parce que tu représentes une jante qu'on appelle un genre. Tu représentes une jante, la jante féminine. Et les hommes, tout homme représente les hommes. Quand tu es sale, tu donnes l'image des hommes sales. Quand tu es sale, que tu es femme, tu donnes l'image d'une femme sale. Et les femmes, les autres femmes vont se plaindre. Ah, toi aussi, il ne faut pas salir notre image. Et les autres hommes vont se plaindre. Tout le monde va se plaindre. Donc, ne dis pas que sans mes doigts, j'en fais ce que je veux. Madame, si tu en fais ce que tu veux, il ne faut pas venir montrer ça ici. Reste chez toi à la maison. Enferme-toi et ne montre pas ça sur les réseaux sociaux parce que ça peut vomir. On arrive. Ce sont tes doigts. Ça
Tu vois, c'est ce que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que dans ce monde-là, nous vivons en société. Même les oiseaux vivent en société. Dans ce monde-là, nous vivons en société. Ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas, au fait. C'est ce que tu ne comprends pas. Bon, écoute, je vais te dire une chose. Toi qui es là, tu es en France là-bas, non? Tu dis que ta vie, c'est toi, non? Je suppose, puisque en ce moment-là, tu n'es pas marié, tu es juste une cougar mamie qui prend soin d'un vieux Togolais qui vit chez toi là-bas et qui ne fait rien de sa vie, qui est vagabond. Bon, je peux comprendre. Mais si tu étais vraiment marié à quelqu'un de bien et qu'il y avait un foufou à la maison, c'est ta vie, hein, c'est toi qui as choisi le monsieur et que vous vivez et tout, c'est ta vie. Mais si jamais il y a bagarre, la police va intervenir. Pourtant, ça ne vous les regarde pas. C'est votre problème. C'est toi on a frappé ou bien c'est toi qui a frappé l'autre. Tu n'as pas tapé enfant des policiers, tu n'as pas tapé policier, tu n'as pas tapé maman des policiers. Mais les policiers vont venir se mêler. C'est ce qu'on appelle vivre en société. Et cette société a des règles qu'il faut respecter. Il ne faut pas vivre comme si tu vivais dans une forêt, seul, dans un campement. Non, tu vis avec des gens. Il faut tenir compte de leur opinion. Il faut tenir compte de leurs suggestions. Il faut tenir compte de leur image. L'image que tu donnes des autres, des gens de ta communauté. C'est ça le plus important. Tu comprends bien, non? Mais tu dis, ce sont mes hommes, je fais tout. Si tu fais sale, tu ne peux pas faire sale et puis venir sur les réseaux sociaux, insulter les autres, insulter mari des gens, insulter des femmes que toi-même, tu ne vaux même pas. Une femme, tu gardes des ongles, des orteils, pendant des ongles pendant au moins un an, des faux ongles pendant au moins un an. On dirait cette caminoulaise, là, celle qui dit que je suis le baobab, qui a gardé cheveux sur sa tête pendant un an. Cheveux, elle a gardé mèche sur sa tête pendant un an. C'est la même chose. Pourquoi vous, les femmes, là, vous êtes sourds? Pourquoi certaines femmes sont très sales et elles ne se rendent même pas compte? Je parie que toi, comme ça, parce qu'à te voir raisonner, pensant que ça ne fait rien, heureusement, tu t'es ressaisi après. Quand toi-même, tu as réveillé tes ongles, tu as eu honte et tu t'es ressaisi après. Mais le genre de personne, là, c'est-à-dire que tu es le genre de femme, tu peux porter un slip pendant deux jours. Femme, hein? Tu peux porter un slip pendant deux jours. D'ailleurs, même moi-même, j'ai dit deux jours. Tu peux porter un slip pendant une semaine sans le changer, et ça ne te dérange pas parce que tu estimes que peut-être que dans cet âge, je n'ai pas fait l'amour. C'est le genre de femmes qui vont seulement changer de slip que elles, quand elles vont faire l'amour. Quand elles ont rendez-vous avec un gars, c'est là qu'elles vont changer de slip. C'est le genre de femmes qui se lavent que seulement quand monsieur dit j'ai envie de toi, elle dit attends, elle me lave. Parce que ça fait une semaine, elle ne s'est pas lavée. C'est quand monsieur manifeste son envie de coucher avec elle, c'est à ce moment-là qu'elle se rappelle que je dois me faire propre parce qu'il va rentrer dedans maintenant. Sinon, si elle ne se lave pas là, odeur, tu vas prendre toute la maison, toutes les souris vont mourir. Tous les chats vont fuir. S'il y a un chien dans la maison, il va mourir. Et donc, c'est, maintenant, elle se rappelle qu'elle doit aller dans la douche. Et ça, c'est déplorable. Parce qu'une femme, tu n'as pas besoin que tes abonnés te disent que madame, il faut changer tes ongles. Tu n'en as pas besoin. Au contraire, tu es une influenceuse désormais. Tu influences de par ton comportement. Donc, tu ne peux pas montrer le mauvais exemple. Tu ne peux pas avoir des doigts sales. Tu ne peux pas avoir les mêmes vernis pendant un an. Même si jamais, c'était que tu renouvelais la même couleur. Mais il ne faut pas donner l'impression que c'est la même chose. Vous voyez un peu, non? Quand je fais une vidéo dans la même journée, je fais un effort pour changer de t-shirt. Pour ne pas qu'on sente que c'est la. On se dise que. Pourquoi on se dise que non, j'ai changé? C'est-à-dire que la vidéo est différente. Ce n'est pas pour montrer que je suis propre, mais en même temps, ça montre que je suis propre. Tu comprends maintenant? Ça montre que j'ai plus qu'un t-shirt. Ça montre que je peux changer de plusieurs t-shirts dans la journée parce que j'en ai. Mais toi, tu montres que tu es une pauvre loup. Toujours en train de dire merci pour les dons qu'on te fait, pour les choses, pour les étoiles, pour les trucs. Mais c'est toi qui as le courage. Décidément, de venir sur les réseaux sociaux et de traiter les gens de dormir dans le salon. C'est les gens qui dorment dans le salon. Et toi, je ne sais pas si tu dors sur un lit en baldaquin, je ne sais pas si tu dors sur un dans un château, mais c'est toi qui sais, comme si tu avais déjà dormi chez les gens, ou bien comme si tu avais déjà fait le tour des maisons de tes followers, c'est toi qui trouves que les gens dorment dans des salons. Et pourtant, toi-même, le jour où on te voit dans une voiture, c'est qu'on t'a invité quelque part. C'est quand tu es à Abidjan. C'est là où on te voit dans une voiture. C'est là où on te voit dans les voitures de luxe, dans les Range Rover et autres. Quand tu vas au Togo, c'est là où on te voit dans les voitures de luxe. Quand tu fais tes voyages, avant de t'inviter, maintenant les gens ne t'invitent plus même pas, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est là où on te voit dans les voitures de luxe. Mais quand tu es en France, tu ne montes jamais ta voiture. On ne te voit jamais faire vidéo au volant. Tu es toujours scotché dans le salon là. Tu ne montes jamais dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de voiture en France là-bas ou bien quoi?
Toi, la plus riche. Mais dis donc, même si tu n'as pas permis, tu es trop riche, tu n'as pas besoin d'avoir permis. Tu peux prendre quelqu'un pour te conduire, tu peux acheter une Range Rover. Trois Range Rover même que tu as garé devant chez toi. Et puis prendre quelqu'un qui va te conduire, que tu vas payer, un chauffeur. Voilà, avec deux gardes-corps. Parce que quand tu t'en vas dans les coins, là, c'est ce que tu demandes. Gardes-corps. Donc tu peux le faire puisque tu es trop riche. Connerie, là. Tu manques du respect aux gens. Tu te manques du respect à toi-même. Et quand je dis que tu es une fille sale, les gens sont là. Oh, laisse la fille, là. Je dis, c'est une femme sale. Moi, j'essaie de reconnaître la saleté. Cette femme, elle est sale. Vous ne voyez pas comment son visage était. Maintenant, c'est un peu propre. Je ne sais même pas. Elle fait un peu plus d'efforts maintenant. Son visage était huileux, graisseux. C'est-à-dire qu'on dirait qu'au sol. Plein d'huile, plein de graisse dessus. Non, une femme sale ne peut pas avoir un visage très huileux comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est comme ça. Une femme qui est là, elle fait vidéo, puis elle est en train de se gratter tout le corps. Ça veut dire que ça fait au moins 3 jours, elle ne s'est pas lavée. Est-ce que depuis moi, j'ai fait vidéo, vous m'avez déjà vu me gratter une fois? Jamais. Parce que je me lave. Vous comprenez, non? Parce que quand tu te laves pas et qu'il y a un peu de chaleur, forcément, ça va te démanger. Ton corps va commencer à te démanger. Ça, c'est clair. Parce que nous avons déjà travaillé par moment, toute une journée, c'est-à-dire que 8 heures dans des boulots. Et quand tu es au boulot comme ça, quand tu commences à bouger, la chaleur montant, des parties de ton corps commencent à te gratter par moment. Mais tu n'as pas le choix parce que tu es au boulot, tu ne peux pas te laver là-bas. Tu es obligé d'attendre forcément le soir pour venir à la maison et te laver. Ça, ça se comprend. Mais elle, elle est à la maison et puis elle se gratte. Elle est à la maison et elle se gratte. Mais elle est très sale. C'est-à-dire qu'une femme qui oublie qu'elle doit changer ses ongles. Ses ongles qui sont visibles et qui sont à la portée de tous. Mais ça veut dire que son bas là, qui n'est même pas visible, que tout le monde ne voit pas. Le slip que tout le monde ne voit pas, elle est capable de porter ça pendant un mois et puis ça ne la dérange pas. Elle est capable de porter son slip que personne ne voit pendant un mois. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont vraiment sales. Et vous ne prêtez pas peut-être attention parce que vous dites que ce n'est pas possible. Parce que malheureusement, vous ne les voyez que derrière caméra. Donc vous dites non, ce n'est pas possible, comment elle va être sale. Mais non, elles sont vraiment sales dans leur vie. Elles sont vraiment sales. Malgré qu'il y a l'eau à leur portée, malgré qu'il y a du parfum désormais moins cher, même il y a parfum 2 euros, malgré qu'il y a tout, elles sont sales. Vous voyez, non, c'est du jamais vu. Depuis même le créateur, celui-même qui a inventé le parfum, il n'a jamais dit qu'on se parfume dans la bouche. La seule gaou venant de Yopougon, c'est comme Chimel de Yopougon. Voilà, comme on le dit là. Voilà, comme Chimel de Yopougon. Voilà, elle est la seule femme qui a oublié que le parfum ne se met pas dans la bouche et qu'il y a des parfums pour la bouche. Il y a des parfums, pour des déodorants de la bouche. C'est comme ça, pour enlever les mauvaises odeurs de la bouche, les mauvaises haleines. C'est comme ça. Donc, tu peux utiliser ça. Parce que de toute façon, tout le monde sait que dans la bouche, on y met plein de choses. Voilà, il y a d'autres même qui fument. Donc, tu peux avoir ce petit truc-là pour te parfumer la bouche de temps en temps. Mais tu ne peux pas prendre un vrai parfum. Et puis tes parfums, en plus, ne sont même pas des bons parfums. Tu ne peux pas prendre bois d'argent comme ça, là. Tu ne peux pas prendre bois d'argent et puis tu prends ça et puis dans la bouche. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu mets un parfum dans la bouche, ça prouve que tu es dans... Au fait, tu veux dire aux gens que tu te parfumes. Mais en réalité, tu ne te parfumes pas. Tu veux juste faire croire que tu te parfumes. Parce qu'on saura seulement que tu te parfumes que lorsque toi, tu passes. Par exemple, quand moi, je mets mon bois d'argent, quand je passe, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je me suis parfumé, on sait. Non seulement on sait que je me suis parfumé, et on sait que le parfum que j'ai porté là, c'est un parfum très cher. On sait que c'est un parfum très cher. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je me suis parfumé. Tu vois, non? Mais tu es toujours dans le visuel là. Tu es toujours en train de te faire voir. Tu es toujours en train de faire chose. Et ça ne te va pas au fait. C'est ça le drame. Ça ne te va pas. Mais ce qui me plaît, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu vas reconnaître toi-même que vraiment c'est sale. Et tu vas essayer d'ironiser la chose, mais c'est trop tard. On y va. Attends, il y a quelqu'un qui dit tout de suite que c'est pour plaisanter qu'elle met ça dans la bouche, que c'est faux. C'est pas sûr à l'Ocavia, dans l'émission à l'Ocavia, qu'elle a commencé à mettre le parfum dans la bouche. C'est sur sa page. Elle mettait ça vrai là dans la bouche. C'est quand les gens ont commencé à critiquer ça qu'elle a commencé maintenant à éloigner
la bouteille. Tu la mettais dans la bouche comme ça. Comme ça. Et puis elle appuyait dans la bouche. C'est quand les gens commençaient à trop parler, maintenant elle a commencé à faire ça maintenant. Et puis maintenant elle a. Et puis elle pulvérise de loin. Parce qu'on lui a dit qu'on ne se met pas dans la bouche. Ces vidéos-là sont encore là. Ces anciennes vidéos-là. Où elle a commencé à mettre parfum. Si au départ, quand elle faisait ces vidéos, elle ne mettait pas parfum dans la bouche. Mais elle a cru que parfum, on peut mettre partout. Ça y est, c'est le genre de femme-là. Elle est là comme ça. Et puis elle va tirer ici. Puis elle va mettre parfum. Chut, chut. Elle va tirer ici. Elle va mettre parfum. Chut, chut. Elle va mettre partout où il y a trou. Partout sur son corps où il y a trou. Dans ses oreilles, dans sa bouche, dans son grain, dans son anus. Partout où il y a trou, elle va mettre parce qu'elle ne sait pas comment ça s'utilise. Elle ne sait pas que le parfum, ça se met là. 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 Souvent un peu ici. Ici. Et puis c'est fini. Si tu veux que ça touche un peu tes habits, tu peux mettre juste là. Et puis là. Et puis c'est fini. Le parfum, ce n'est pas une pommade. Si tu veux prendre, si tu veux que ça soit sur tout ton corps, tu peux t'acheter une pommade qui sent bon. Par exemple, moi, j'ai le bois d'argent. J'ai ça en parfum. Mais j'ai ça aussi en savon encore. Tu vois, et ça, c'est le savon. Donc, si je veux simplement, si je ne veux pas mettre le parfum et que je veux que tout mon corps sente bon, je n'ai qu'à prendre le savon, me laver simplement et puis c'est fini. Je n'ai qu'à prendre le savon et puis je me lave. Comme ça, je n'ai pas à mettre ça dans la bouche, dans le truc, dans l'anus, dans tout, tout et tout. Non. Et c'est simple. Il faut connaître dans le parfum pour le faire. C'est pas parce que dans sa vie, on a passé 40 ans de sa vie à ne même pas connaître le prix d'un parfum. Et parce que Facebook paye un peu d'argent maintenant, on découvre le parfum. Et comme on ne connaît pas l'utilité et on ne sait pas l'utiliser, alors on pense qu'on peut mettre ça dans tous les trous qui sont ouverts. Non. Le parfum ne se met pas dans les oreilles. Ça ne se met pas dans les narines parce que tu n'as pas besoin de respirer le parfum. Voilà. Le parfum s'inspire et non se respire. Voilà. Tu n'as pas besoin de mettre ça dans la bouche parce que la bouche, ce n'est pas fait pour le parfum. Voilà. On ne met pas parfum dans la bouche. Voilà. On met du déodorant. Chose buccale dans la bouche, mais on ne met pas du parfum dans la bouche. Voilà. Le parfum, ça se met soit sur les habits ou soit dans les coins que j'ai cités tout à l'heure. L'argent t'a surpris et tu crois que le parfum peut se mettre partout. Tu mets ça même dans la bouche. Et après, tes abonnés te rappellent à l'ordre, comme d'habitude, et tu te plains, tu commences à les insulter. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, quand toi-même tu as regardé tes ongles, tu as compris que non, tu étais allé loin. Et que même c'est dégueulasse. Parce que je vais te dire une chose, Chimène, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une femme, quand tu mets parfum là, c'est esthétique et donc c'est déjà un risque de mettre parfum. Parce que quand tu mets le parfum, et puis si jamais, c'est que c'est gratté un peu, c'est que c'est écorché, et puis tu n'as pas réparé ça, et puis tu vas à une invitation. Tu sais ce que regarde un homme? Un homme regarde quand une femme vient s'asseoir devant un homme pour déjeuner, pour dîner, en tout cas pour prendre un pot, la première des choses qu'il regarde sont ses doigts. Si tu as mis des vernis, sois sûr que ton vernis là, sois sûr que c'est vraiment impeccable et que c'est récent. Parce qu'il y a des gens qui mettent des vernis même, et puis c'est gratté, quoi. C'est qu'ils ont mis vernis là depuis 3 mois. Et puis c'est gratté, c'est quoi. Mais ça est toujours sur leurs doigts. Ça prouve que cette fille, elle est sale. Donc, vous qui mettez le vernis là, soit ne mettez pas du tout, mais si vous mettez, soyez sûr que c'est toujours propre. Et c'est toujours nickel, renouvelé. Ça, ça fait un. La deuxième des choses qu'un homme regarde chez une femme, sont ses cheveux. Comment tu es coiffé? Est-ce qu'il y a la saleté? Parce qu'il y a des gens, leurs cheveux sont tellement sales que ça laisse des trucs, on dirait des œufs. On dirait des œufs de choses, je ne sais pas, de poux. Ça laisse des œufs même. Ça veut dire que tu vois la saleté même au bout des cheveux là. Ça, c'est la deuxième des choses pour remarquer qu'une femme est propre. Donc, quand tu es assis devant un homme comme ça, toi, tu te dis que le gars est fond de moi, alors que le gars est en train de te calculer. Il regarde tes ongles, il regarde tes cheveux. Et la troisième chose qu'il regarde sont dans tes narines. Dans tes narines. Il va jeter un coup d'œil dans tes narines pour voir s'il y a des croûtes dans tes narines. S'il y a des croûtes, ça montre que toi, cette fille, elle est sale. Parce que ça, ce sont les trois coins qu'il faut contrôler beaucoup. Et la dernière chose qu'il va regarder sont tes chaussures. Sont tes chaussures, comment tu arrives? Si tes chaussures sont propres ou sales? Si tes chaussures sont sales, ça veut dire que toi, tu es une fille sale.
Parce qu'une femme, d'ailleurs, un homme aussi d'ailleurs, doit avoir toujours ses chaussures propres. Un homme aussi doit toujours avoir ses narines propres. Un homme doit avoir toujours sa coiffure propre. Pareil comme une femme. Et l'homme ne met pas de vernis. Donc, pour reconnaître un homme propre, il faut regarder ses doigts. Si ses doigts, ses ongles sont bien coupés, bien taillés, c'est un homme propre. Sinon, si c'est un homme négligent, il laissera ses doigts de la façon bizarre, ses ongles bizarres. C'est ça. Donc, toi, tu ne connais pas, tu sors d'une brousse quelque part là-bas. Tu ne connais pas les trucs. Et puis, tu te jettes dans le lot. Tu viens d'arriver dans le milieu des gens qui peuvent s'entretenir désormais. Et tu crois que tu connais trop. Parce que tu viens de découvrir un nouveau monde. Un monde dans lequel, un monde trop vieux pour les gens qui y vivent déjà. Et pour toi, c'est un nouveau monde qui te rend, qui, pour toi, qui est trop merveilleux. On va continuer. Ça te déploie en cours. Est-ce que Dieu est venu vers mon direct là, c'est pour écouter ce que j'ai à dire ou bien c'est pour regarder vernis qui est sur mes ongles? Ma chérie, ce sont mes doigts. J'ai décidé de rentrer dans la nouvelle année avec vernis vert. Il dit, moi, mais il est rentré dans la nouvelle année là. Elle est vernis vert. Donc, vernis qui est sur mon doigt là. Regardez ça comme ça, puis laissez. Les regarder, puis laisser. Moi-même, quand je me réveille le matin, je vois que c'est vert. Je vois même que vernis là, c'est vert. Que je dois changer. Moi-même, c'est ça. Ou bien vous pensez que je ne sais pas. Ou bien vous pensez que je ne sais pas. Bon, si je change perruque, je change habit, je change maquillage, je change les accessoires, je crois que c'est le plus important. Est-ce que le vernis, on doit changer vernis tous les jours? Donc, c'est-à-dire que toutes les semaines, je dois changer vernis. Pourquoi? Moi-même, je vois, ma chérie. Quand je fais direct, je vois vos commentaires pour parler de mon vernis. Je vois. Quand je mets les vidéos. Donc, au fait, tu sais très bien que les gens parlent de toi. Et tu sais très bien. Tu dis, moi-même, je vois. Donc, tu es bien consciente. Mais est-ce que tu vois tes vernis là? C'est ton vernis, c'est toi-même qui as mis. Quand tu mets ton vernis, tu vois. Mais est-ce que tu sais que c'est sale, au fait? Est-ce que tu sais que c'est sale, ça donne une image d'une femme sale? Est-ce que tu le fais? Tu le sais? Non, c'est ça, c'est la partie que tu ne sais pas. Et tu crois que, tu vois, il y a des choses auxquelles nous, on ne fait pas trop attention, nous qui faisons les vidéos. Mais les gens qui sont là, il y a beaucoup qui viennent, pas pour regarder ce que tu dis, pas pour écouter ce que tu dis, pardon, pas pour ton discours, pas pour tes vidéos. Eux, ils viennent pour chercher les défauts sur toi. Eux, ils s'en foutent de tout ce que tu fais là. C'est-à-dire que eux là, c'est leur petit truc ça. C'est-à-dire que la façon toi tu joues les critiques sur les réseaux sociaux là, eux ils jouent ça en commentaire. C'est-à-dire que quand ils viennent là, eux ils s'en foutent de ta vidéo. Eux viennent pour voir, ils cherchent le défaut quelque part, la petite erreur quelque part. Ils cherchent, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'erreur, eux ils vont créer. Ils vont trouver quelque chose pour attirer l'attention des gens sur quelque chose quelque part là-bas. Ils peuvent se tromper, mais s'ils ont raison, toi tu es mort dans le film. S'ils ont raison sur ce qu'ils ont dit, c'est que toi, tu es mort. Et c'est ça, effectivement. Tu es victime de ta saleté. C'est pas tes doigts. Faut pas dire, ce sont mes doigts. Que moi-même, quand je me lève, je vois. Mais attends, quand tu vois là, qu'est-ce que tu fais? Tu vois là, quand tu vois là, tu sais pas que c'est ça. Mais ce qui va arriver après, c'est ce qui est intéressant. Vous mettez le commentaire sur mon vernis, je vois. Mais je la paresse de répondre. J'ai la paresse parce que comment quelqu'un peut aimer une couleur? Quelqu'un peut aimer une couleur, quelqu'un peut vouloir garder cette couleur-là sur ses doigts. Et puis ça ne plaît pas aux gens. Pourquoi? Non. Moi-même mes doigts. Non, c'est pas parce que la couleur verte énerve les gens. La couleur, les gens n'ont pas de problème avec la couleur. Le problème que les gens ont des problèmes avec la répétition. Au fait, on a l'impression que tu ne touches pas tes doigts, au fait. On a l'impression que tu t'en fous, quoi, de l'entretien. C'est ça le problème. Voilà. Vous avez entendu Yil, hein? Yil, elle vient de se rendre compte, après avoir dit tout ce qu'elle a dit là, après avoir copieusement insulté les gens, après s'être défendue comme une lionne, elle vient de se rendre compte, elle a vu, elle voulait montrer. C'est-à-dire, depuis qu'elle parle là, hein, elle fait ça, elle fait tout ça là, mais elle ne montrait pas ses hommes. En fait, elle ne regardait pas ses hommes. Elle sait que les gens parlent de ses hommes, elle est tellement bête, tellement stupide, tellement idiote, qu'elle n'a même pas pris
une seule minute pour regarder ses ordres avant de faire la vidéo. Elle a parlé jusqu'à... Et non, elle arrive là maintenant. Et elle voulait parler encore et elle jette un coup d'œil sur ses ordres. Elle se rend compte que qui est... On dirait les gens ont raison. Hein? Je vais ramener un peu légèrement et puis vous allez voir la partie où elle a dit qui est... D'accord. Ça veut dire qu'elle a regardé, vous allez voir. Je vais vous montrer. Voilà. Cette couleur verte là, je vais mettre. Couleur verte là, en tout cas. Parce que comme vous focalisez sur le... Oh oh. Je suis le dernier qui est mis sur moi. Ah, ok, d'accord. Attendez. Regardez, hein. Je vais refaire maison. C'est venu, c'est couleur verte là, je vais mettre. Couleur verte là, en tout cas. Parce que comme vous focalisez sur le vernis. Ouais, elle vient de regarder. Elle est mise sur moi. Elle vient de se rendre compte. Voilà. Maintenant, elle a regardé. Maintenant, elle a regardé. Voilà. Je viens de me rappeler. Non. Elle ne s'est pas rappelée. Elle vient de se rendre compte en regardant ses doigts elle-même. Elle parlait. Qu'elle a fait ça, qu'elle a vu là. Elle dit, vous avez raison. Hein? Elle dit, je viens de me rappeler. Non. Elle vient de voir. Elle vient de constater elle-même. Non, c'est pas possible. Il dit, tu vois, non, si tu étais intelligente, la première des choses à faire, c'était de vérifier si ce que les gens disent est vrai. En regardant toi-même tes doigts. Et puis faire simplement un post, tu ne devais pas faire vidéo. Tu devais faire un post pour t'excuser. Et puis donner une petite explication, bref. Mais tu viens faire vidéo. Et en faisant la vidéo, toi-même, quand tu fais ça, tu voulais te donner quelque chose. Tu t'es rendu compte que non, c'est pas bon. Tu es une femme sale. Tu es sale. Et les internautes te rappellent que tu es sale. Et tu veux faire par la main. Comme on ne peut pas cacher le soleil avec sa main, tu t'es vite rendu compte qu'effectivement, tu es sale. C'est comme ça, ça y est. Tu es sale. Parce que quand je te dis que toi, tu es une fille qu'on baisait à Yopougon avec une bière, les gens pensent que je m'amuse. C'est vrai, cette femme-là, on l'a baisée à Yopougon avec bière. C'est-à-dire que tu viens, tu payes bière, tu payes riz, 300 francs, elle a mangé, elle a bu, tu la prends, tu la mets dans le couloir entre les maisons de Sikoji là. Puis tu la pinailles, pi. Vers 21h, 23h, au moment où les gens dorment là, tu la pinailles dans le couloir, pi, et puis tu la laisses. C'est comme ça, les gens pinaillent ça. Elle n'a rien. Elle n'a jamais été propre depuis Côte d'Ivoire, depuis Yopougon. Elle n'a pas été propre jusqu'à... C'est à partir de 99, après avoir commencé le blogging en 98, c'est à partir de 99 qu'elle a commencé à connaître la propriété. En fait, elle veut connaître la propriété parce qu'elle connaît pas, parce qu'elle n'est pas toujours propre. Elle n'est pas toujours propre. Vous ne voyez pas son style, sa façon de s'habiller là. Vous ne voyez pas sa façon de s'habiller. On dirait qu'elle sort tout droit d'un film blanc-noir. Qu'elle s'habille, on dirait qu'elle est sortie d'un film de blanc-noir ou bien d'un clip. Un clip blanc-noir de Ernesto Dédier ou bien de Louga François. Vous ne voyez pas sa façon de s'habiller? Qu'elle s'habille là? Vous avez l'impression qu'elle est sortie dans le premier ou le deuxième clip de Louga François ou bien d'Ernesto Dédier ou bien de, comment dire, Amédée Pierre. Voilà comment elle s'habille. Et c'est ça là. Quand vous regardez ça, on peut faire quoi avec ça? On peut faire quoi avec ça? En tout cas, je vous ai parlé. En tout cas, cela concerne tous ceux qui font les vidéos. Soyez propres. Soyez propres. Donnez l'exemple. Voilà. Passez saleté là. Ne venez pas avec les saletés sur les trucs. Surtout vous, les femmes. Les garçons n'ont pas trop de problèmes. Parce que le garçon même, quand il est assis là, si c'est pas lavé, comment tu vas savoir qui c'est pas lavé? Mais bon, d'autres, on peut savoir. Mais si c'est pas. Mais femmes, c'est tellement visible. Parce que vous avez des mèches, vous avez des trucs, vous avez tellement de surcharge sur vous que. Dès qu'il y a quelque chose qui manque, on sait ça tout de suite. Quand tu n'es pas propre, on sait ça tout de suite. Et toi, ma vigile, tu n'es pas propre. Tu es la plus sale. En fait, tu es l'une des sales. Parce que voilà, si on prend sans visage, c'est la plus sale des réseaux sociaux. Voilà. Et avec Aquaman aussi, c'est l'une des plus sales. Donc voilà, vous êtes comme ça. Vous êtes trois comme ça sur les réseaux sociaux que j'ai identifiés en tant que les reines de la saleté. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse porter au bien. Ciao.